Chers amis, j'espère que vous aurez reconnu ce merveilleux chant de Douce Nuit. Douce Nuit pour qui? Douce Nuit pour nous qui allons festoyer et ouvrir nos cadeaux par milliers. Mais ce n'est certainement pas une douce nuit pour Marie. Marie vient de faire un long voyage inconfortable à dos d'âne, alors que celle-ci est sur le point d'accoucher. C'est un voyage difficile. Bethléem est à plus de 750 mètres d'altitude. Il faut du courage à Marie pour accepter de faire ce voyage. Marie aurait préféré accoucher chez elle, dans le confort, entourée de ses proches. Marie a-t-elle vraiment le choix? Non, car le Messie devait naître à Bethléem, la ville de David. Comme Marie doit être soulagée d'arriver à Bethléem. Elle rêve d'une nuit d'hôtel, d'un repas copieux et de sages femmes pour l'aider à accoucher. Mais il y a beaucoup de monde à Bethléem, car l'empereur Auguste a ordonné un recensement. Résultat, plus de place. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'installer dans une étable. Marie enfantera dans le froid, avec comme seule chaleur celle des animaux. Et que dire de l'odeur? Son fils naîtra dans une mangeoire. Alors, il faut avouer que ce n'est pas une douce nuit pour tout le monde. Et surtout pas pour Marie. Et ce n'est pas les mamans qui vont me contredire, n'est-ce pas? Mais que devons-nous retenir de cette nuit? C'est la douceur d'un enfant, sauveur de l'humanité, un magnifique cadeau qui nous est donné par Dieu le Père. Joyeux Noël, mes amis.